Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Fae Farm. Et vous le voyez à l'écran, pour ceux qui sont assez attentifs, eh bien, le décor a totalement changé. Alors, je ne suis pas satisfait de ce qui est là, mais j'ai fait un peu de déco, j'ai déplacé un petit peu les meubles de la maison parce que j'en avais marre. Donc voilà, j'ai changé le papier peint, j'ai essayé un autre papier peint, bon ça va pas trop avec les moulures que j'ai mis, j'ai changé les couleurs des meubles ici. Alors oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, si on se met en mode comme ceci, décoration. On va sur n'importe quel mobilier hors atelier, et bien avec du coup Y, moi sur la manette Xbox, on peut changer les couleurs. Voilà, on peut changer les couleurs et on n'a pas débloqué beaucoup de palettes de couleurs pour l'instant. Donc voilà, j'ai un petit peu refait ça, j'ai refait l'étage qui servait à rien, donc j'y ai déplacé le lit. Voilà, j'ai mis un petit côté champêtre dans l'étage pour bien dormir sur une vue de joli papier peint. Avec l'horloge juste en face, bien sûr. Et une petite harpe bien sûr, la petite mélodie de bonne nuit. Il faut hein, la petite berceuse à la harpe. Voilà, j'ai pas fait grand-chose d'autre. Si, j'ai fait un petit passage dans le premier donjon pour aller me récupérer des cailloux. Cailloux qui doivent être... voilà, qui doivent être tous faits. Et on va pouvoir les mettre à vendre. Alors attention, pas les saphirs, hein. Que je ne me rate pas. On va les mettre tout ça à vendre. On va aller récupérer. Je pense que là, ça fait bien les 4 jours. C'est pour ça que j'ai un petit peu joué entre les épisodes pour aller récolter du coup les betteraves. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, pour la confiture, je pense que j'ai trouvé. C'est quand même important de le signaler. Voilà. Oui, donc pour la confiture, je disais, je pense que j'ai trouvé, il y a un atelier que j'ai pas fabriqué. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est là-dessus. Alors, on va aller récolter déjà les trucs des animaux, on va aller récolter l'autre ferme en espérant que ça fasse bien les 4 jours. J'ai un doute, peut-être que ça fait que 3. Et on va voir pour la confiture ce qui devrait nous permettre de faire le repas de grêle. On va voir ça bien sûr. Ici normalement j'ai rien à arroser. Oui, il faut que je récolte. Ouh là là. Ouh là là, faut que je récolte. Ça va faire beaucoup de choses à faire. Ah oui, alors il y a eu des petits changements ici aussi. Non, non, je voulais pas te brosser. Toi, je voulais récolter l'autre. Oui, il y a eu des petits changements dans ce champ. Attendez, je vais récolter. Et on en parle après. Hop, on va se récolter tout ça. Alors oui, pourquoi je ne l'ai pas fait avec vous? Peut-être que certains demanderont. Comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, la série est celle qui vous plaît le moins depuis le début de la chaîne. Donc j'essaie de raccourcir au maximum sa durée. On va juste avancer en fait quand on est ensemble. Voilà, j'ai fait des ruches, mais il faut mettre des abeilles dedans pour que ça rapporte du miel. Donc j'en ai eu le premier jour, mais j'ai plus d'abeilles. Donc au moins ça règle la question. Voilà ce que j'ai rajouté. J'ai laissé la place pour d'autres ruches, mais au final l'intérêt est plus que limité. D'ailleurs, quitte à être là ensemble, est-ce qu'on peut pas finir la déco si j'ai ramassé des petites pierres là? Voilà. Ça me semble pas mal. Et oui, j'ai laissé un petit coin pour les animaux pour qu'ils puissent sortir, voilà, à l'écart des cultures, bien évidemment, parce que j'en avais marre de les avoir dans les pieds. Donc là, bon, faudra récolter. À la rigueur, c'est pas grave si je le fais pas aujourd'hui. Il faut qu'on aille à l'autre ferme. J'ai aussi fabriqué, comme vous l'avez vu avec la harpe, quelques-uns des objets pour agrandir les barres. D'ailleurs, vous le voyez, mes barres ne font plus la même taille que dans l'épisode précédent. Mais j'ai pas encore pu fabriquer tous ceux qu'on était capable de faire.
Ok. Ça, c'est fait. Donc on va aller... Ah, je peux pas aller au plateau gelé, c'est vrai. J'ai la pierre, mais je l'ai pas posée. Donc on va aller tout de suite au plateau gelé. Alors, on va repasser par là. Je pense qu'on va pas tarder à débloquer la quête qui nous enverra vers le troisième donjon. Alors, la pierre, c'était juste là. Hop, on mange ça. Voilà, comme ça, là, on a accès à la téléportation. Parfait, il doit en rester un sur ma gauche, j'imagine, la ferme, sûrement. Et on va pouvoir... Ah non, la confiture. Je suis parti là alors que j'ai pas la confiture. Mais non. Bon, attendez. On va poser ça avant que je me rate. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Je fais les choses à moitié. Bon, la confiture, oui. Je disais, j'ai peut-être trouvé comment on l'a fait. Laissez-moi retourner à la maison. Et il y a un atelier que l'on n'a pas fait. Celui-là. Il me faut du bois d'œuvre de chêne. Ok, j'ai pas de bois d'œuvre de chêne. Bois d'œuvre de chêne, il m'en faut 5. Ok, ça va prendre un petit moment à faire, bien sûr. Donc là, on peut poser ça, ça, tout ça, j'en ai plus besoin. Ok, les pierres qui restent sur moi, c'est à vendre. Du coup, est-ce qu'on récolterait pas vite fait? Parce que ça peut quand même être utile d'en avoir en stock si jamais on a besoin de se refaire à manger pour le prochain donjon. C'est pour ça que j'en ai replanté. On aurait pu mettre de l'engrais dessus. L'engrais spécial pour voir si on pouvait faire des trucs de saison. Les pommes de terre, elles sont bonnes? Oui, parfait. Il va aussi falloir qu'on améliore tous nos outils. C'est vrai que je suis pas allé voir pour améliorer le filet. Alors c'est arrosé ou c'est pas arrosé là? C'est une bonne question. Ça monte pas vite l'expérience. Bon, c'est bon, pas besoin d'arroser. Ok. Faut qu'on regarde vite fait ce qu'on a comme graines. Que j'ai des graines là-dedans. Patates, j'en ai 20. Navet, j'en ai 26. Ok. On va aller acheter ce qui manque. C'est toi. Navet, j'en ai 26, donc il m'en faut 4. Et patates, il m'en faut 10. Ah, ça y est, je peux planter le maïs. Ah oui, agriculture. Et après, il y aura le poivron à l'agriculture 20. Et cet engrais-là coûte super cher. Ouais, pour l'instant, on va pas pousser. Parce que j'ai besoin de l'argent pour autre chose. Donc on ne va pas pousser. Hop, on va replanter.
Et voilà, c'est planté. Donc oui, j'ai besoin de l'argent pour le filet, à mon avis j'en ai pas assez. C'en est où le bois d'œuvre là? Ok, ça va pas assez vite. On va dormir. Vous savez quoi, on va accélérer un peu tout ça. On va aller dormir. J'aimerais bien améliorer encore la maison, voir ce que ça débloque. Normalement, voilà, 9000 balles. Ce qui est plutôt agréable. On va pas se le cacher. Se faire autant de sous d'un coup. Hop, on récupère le bois d'œuvre. Alors l'atelier, est-ce qu'on peut le mettre dedans? Ça nous arrangerait. D'ailleurs, il y a des trucs qu'il faudrait que je déplace dedans. Mais c'est pour ça que je veux l'agrandir, la maison. On pourrait le mettre là-bas. Attendez, est-ce que je peux déplacer ça? C'est ça. Oui, c'est dommage, c'est pas bien collé contre le mur. Ça me perturbe. Et ça me perturbe beaucoup. Il en faut peu pour me perturber. on peut les chevaucher, c'est peut-être pas super comme idée. Ah ça se tourne pas. D'accord, ça c'est forcément dans ce sens-là. Ça m'arrange pas ça. Bon, attendez, on inverse. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Voilà. Confiture de fruits des bois. Eh ben voilà, il en faut 5. Ah oui. On en est là. Ça va être un peu long. Bon, nous on va récupérer. Hop, les 9 lingots. Ils devraient nous permettre d'améliorer les 3 outils restants. Ici, on peut se permettre de poser. Bam, 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 tout ça. Voilà, ça fait 2000 balles de plus. Je ne me suis plus du tout occupé des fleurs depuis qu'on a réussi la quête. Voilà, 1000 de plus. Toi, on repasse te voir dans 2 secondes pour la maison. Alors, ouvrir la boutique, bien sûr. Hop, l'outil amélioré. Non, je ne voulais pas parler. Non, ouvrir la boutique. Voilà. Ah, c'était 4. Ah pardon, il me manque 3 lingots d'argent. Zut. Le filet, oui, toi, la maison, pardon, bouge pas, la maison. La maison, 6000. Eh bah, tu te fais pas chier. 3 lingots de cuivre et 3 bois d'œuvre de hêtre. On verra s'il nous reste l'argent, mais du coup je pense pas, parce que il faut qu'on améliore l'outil, donc 2500, plus le filet. C'était là le filet, non? Pas du tout. T'es qui toi d'ailleurs? On est devenu des connaissances, super. T'es qui? Oh, peu importe. La plage, non, je voulais pas aller sur la plage, non. Alors, on peut regarder la canne à pêche. Pêche niveau 7, et c'est 5000 balles. Doit être... Bah zut alors.
Plaine d'abondance, oui, mais c'était où? Ouah, c'est moi qui suis perdu là. Attends. Si, c'est carrément moi qui me suis paumé. Là, c'est bon, je l'ai. Celui-ci. Ah oui, on n'a même pas celui-ci. On pourra avoir l'autre pour 5000. Ah oui, on pourra pas du coup. Dommage, il nous manque 500 et on aurait pu l'avoir. Et on aurait pu l'avoir, mais sauf qu'il nous faut aussi 2500 pour améliorer le. 2500 pour améliorer l'outil qui nous manque. Il nous faut 3 lingots. Est-ce qu'on a de quoi les faire? C'est des lingots de ça. Dommage, on n'a pas assez d'argent. Bon, je pourrais pas améliorer l'outil. Qu'est-ce que j'étais parti faire? Oui, les confitures. On va y arriver. Ça va être long, qu'est-ce qu'on fait? On dort, ça passe une journée de plus, mais je suis pas du tout parti récolter les trucs des animaux, ce qui est dommage. Pardon. Après, c'est pas tellement de coton et d'œufs dont j'ai besoin pour l'instant. Je vous avoue que je me sers surtout de la soie. Et pour fabriquer les derniers trucs qui me manquent là pour améliorer les barres et le confort de la maison, c'est la soie. Ah, peut-être falloir arroser. Oui, ok. Il faut arroser. Bougez pas. Je suis équipé. Non, t'as pas fini là. C'est bon. Moi, je passe 2 potions à chaque fois, mais c'est pas grave. Voilà. Quoi qu'on aurait pu essayer notre nouvel arrosoir plus premium. Il doit avoir une super grande zone d'arrosage. Ouais, mais du coup, on peut pas l'essayer. Bah oui. Ah bah non, l'arrosoir on l'a pas amélioré. Suis-je bête? L'arrosoir il manque des lingots. Eh non, il m'en faut. Si, j'ai dit il m'en faut 3 parce que j'en avais déjà un de lingot. Mais c'était 4 pour l'améliorer. Ah, il me manque un tout petit peu d'argent. Est-ce qu'on irait pas chercher l'argent vite fait quitte à attendre que les confitures soient prêtes? Ça pourrait être une idée, hein. Qu'on passe aux hectares féeriques. On récupère les petits trucs des bestioles. Peut-être que je pense à les renourrir. Pour être sympa. Il vous en reste. Bon alors là. Je ne sais pas pourquoi. Rendez-vous, ce que je pourrais faire, c'est vrai que j'ai oublié de le faire. C'est voilà, je pourrais être sympa et faire ça, comme ça vous avez le droit de sortir. Nous, on va vite fait passer. Donc il nous faut de l'argent, je sais pas combien il m'en faut. Il m'en faut, bah au moins... Enfin, moins de 10 que j'en avais un peu en stock. Bon, on va en prendre 10 pour être sûr. Est-ce que je peux en prendre sans mourir du miasme? Vite fait. On veut de l'argent. Minerai d'argent très élevé. Allez hop là. Bon, je pense que je vais pas avoir le choix que de...
ça fait 3. Bon, j'ai pas le choix. Quoique 6, c'était peut-être suffisant, mais dans le doute. Wow, ça a failli mal se finir, ça. Ok, on en a 9. Ce qui devrait être suffisant. On peut repartir chez nous. Comme ça, on aura notre dernier outil. Il manquera juste un peu d'argent pour s'améliorer le filet au maximum. Tac, voilà, on a les 3 qui vont être faits. Ça, faut que je le garde, le lingot, du coup. Ok, nos confitures sont finies. Vous savez ce que ça veut dire, on va enfin pouvoir avancer la quête. Du coup, je sais pas si les potions de froid vont être encore utiles derrière, parce que le donjon avait l'air d'être celui du feu. Donc pas convaincu que les potions de froid nous servent encore. Voilà, retournez voir Grêle. Oh, bonjour toi. Je t'en prie, ne pars pas. Tu reviens avec tout ce que j'ai demandé. Je suis vraiment désolé pour tout ce désordre. Je ne savais pas que ma mauvaise humeur affectait les autres. Encore merci, puis-je te considérer comme mon ami ? Nashara, moi c'est Grêle. Te connaître est un réel plaisir. J'ai peur que tu refuses, mais tu voudrais bien revenir demain. Il faudra un peu de temps pour que tout soit prêt. Ce sera un honneur de t'avoir à ma table. Génial, demain nous partagerons un repas. Et ensuite je pourrai t'aider avec le blizzard. Et on pourra avoir le chardon des neiges. Là, d'accord, ce qu'on était parti chercher à l'origine. On va pouvoir aller passer la journée et se faire le repas et donc débloquer la suite. Ça fait plaisir, on avance. Et on s'est fait 3000. Oh! Ah, bourdon magique envoûtant 2. Le jour suivant, Grêle avait préparé un festin. Nous avons mangé ensemble et Grêle m'a raconté ce qui le rendait triste. Il pensait être une bête sauvage. Grêle m'a montré le sort qu'il avait utilisé pour charmer les flocons de neige et les faire tomber. D'un geste de la main, le blizzard a disparu et les nuages ont commencé à se disperser. Le lac a dégelé et la neige a fondu. Les plantes ont refait surface, toujours vivantes. Grêle m'a serré dans ses bras et m'a montré où trouver le chardon des neiges qu'il me fallait. On a pris un nouveau sort, bien sûr, le sort de charme, qui va du coup me permettre, j'imagine, de débloquer des nouveaux trucs. Mais avant d'y aller, on va juste passer en ville, histoire de pas oublier. Améliorer notre outil. Voilà. Comme ça, on a tous les outils en argent. Et on va aussi passer voir ici pour le filet.
Voilà. Maintenant, on peut y aller. Donc là, je devrais pouvoir capturer les bestioles de la neige. Et là, on peut du coup, voilà, récolter ça, qui va être le chardon des neiges. Ça, j'avais déjà récolté, je crois. Alors du coup, je peux te ramasser. Oui, ça me dit pas que je peux pas. Ok. Et j'imagine qu'il y a des nouveaux poissons, peut-être, dans la neige. Ou c'est des poissons classiques. Non, il y a personne qui a envie de... D'accord. Après, j'ai peut-être pas la bonne canne à pêche, cela dit. J'imagine que ça me servira à quelque chose. Ok, je peux couper le bois. Donc, du nouveau bois qu'on ne connaît pas. Et tout plein de nouveaux trucs. Bien évidemment, hein, qui dit nouvelles ressources dit plein de nouveaux crafts. Bon, il n'y a pas trop d'autres ressources qu'on peut obtenir qu'on n'avait pas. Et... Oui. Merci, on peut pas avoir un plus gros filet pour l'instant. Non mais... J'imagine que je peux toujours pas passer... Ah, peut-être avec le sort de charme. Attendez. Oh, attendez, il va falloir essayer des trucs. Il me manque un sort du coup. Et voilà. Je le sentais bien. Mais non, pas ça. Mais non, mais... Voilà, un petit scarabée ardent. Mais... Attrape-le. Ah bah voilà. Bon, il va falloir faire un test, mais... Oui, voilà. Oui, c'est chaud. Wop. On va peut-être éviter de se jeter de la falaise dans la lave par contre. Généralement ça fait pas du bien. Bah, la barrière était cassée, je me suis dit y a un secret en dessous. Et... Pas dans ce jeu. Ok, il y a le donjon juste là. Mais on n'y a pas accès pour l'instant. T'es qui toi? Ouvrir la boutique. D'accord, tu vends des... Des nouveaux trucs. Un jour, je ferai le tour des boutiques pour acheter tout ce qu'il y a à acheter. Je vous raconte pas le bordel que ça va être. Et nous, il faut qu'on retourne. C'est pas là la descente. Il faut qu'on retourne voir Frida. Bouge t'es pas toi. Attends, bouge pas. J'attends. Voilà, merci. Plate-bande d'automne. Bouge t'es pas toi. Elle topiqueur là. C'était une racine d'arbre. Et du coup, j'imagine que donc, les plates-bandes qu'on obtient, c'est des plates-bandes de saison. Donc j'imagine qu'on va pouvoir planter les trucs de saison dans ces plates-bandes là. Et où ça fera forcément pousser des trucs de cette saison là. Enfin, il va y avoir un délire comme ça à mon avis. Alors, Frida, tu dois être là.
un pari, mais bon, t'as pas dû trop bouger. Et voilà, quête finie. Oh, j'étais si inquiète. Cela faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Il y avait un étrange souffle chaud provenant du nord. Un esprit du froid. Dis-moi tout à son sujet autour d'un bon thé glacé. Oh mon chou, on dirait que tu t'es battu contre le vent et qu'il t'a mis une raclée. Tu as réussi à mettre la main sur le chardon des neiges. Oui. Et non. La dame, elle te parle. $8,000. Ah bah merci, on va pouvoir améliorer la maison. Te revoilà, ton voyage sur les terres du Nord s'est bien passé. Merci, c'est exactement ce qu'il me fallait. J'espère qu'il n'a pas été trop difficile à obtenir. J'ai vu que le blizzard s'était arrêté, ça t'a sûrement aidé. Un esprit du... Mais tu m'as déjà demandé ça. Tu mérites de te reposer après un voyage pareil. Azoria pourra bien se passer de tes services pendant quelques instants. Ah, si seulement. Si seulement. Une conclusion fantastique. Lol. Voilà. Tout ce qu'on a à dire. Service de charpenterie, oui, bonjour, oui, améliorer une maison, oui, mais j'ai pas ce qu'il faut, bien sûr, bois d'œuvre de hêtre et 3 lingots de je sais plus. De cuivre. Alors, bois d'œuvre de hêtre, on a ça ou... Et lingot de cuivre, ça. 3. Bois d'œuvre de hêtre. 3. Non, parce que moi je veux une plus grande maison, j'ai des goûts de luxe. Je veux agrandir, bien sûr. Voilà, amélioration pour la maison. Du coup, j'imagine qu'elle sera là demain. Ah, on peut encore l'améliorer pour 6000 et 3-3. D'accord, je sais pas ce que ça a fait. On va aller voir. On va aller voir ça. Ça n'a pas grandi ici, ça a grandi à l'étage. Non, peut-être après un dodo. On va faire le dodo parce que ça va peut-être débloquer, voilà, des trucs. Chapitre 7, quand le volcan s'envole. Je sais pas combien il y a de chapitres. Ah, si, ça a grandi la salle principale. Et l'étage aussi. Ah oui, d'accord, ça a bien agrandi l'étage. Bon, c'est cool ça. On a des nouveaux messages, j'imagine quelqu'un qui va nous filer des quêtes. Salut beauté, le meilleur moment de la semaine est arrivé, de nouveaux bateaux. Oui, rien à faire. Nashara, un désastre s'est abattu sur nous, viens me voir immédiatement, hein, le vendeur de glace. Et en même temps, vendeur de glace avec un volcan à côté, c'est pas fou hein, comme idée. Bon. Eh bien écoutez, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.